N'oubliez pas, je suis disponible pour répondre à vos questions cet après-midi après les cours. Les Party Freaks, c'est à vous, ça? Ouais, j'écoute juste ça ces temps-ci. J'aime vraiment ça. Mais moi aussi, j'aime ça. J'en fais souvent jouer à mon émission de radio. Ah oui, c'est toi qui fais de la radio étudiante? Mm-hmm. C'est pas mal bon, la musique que tu fais jouer. Ah ouais? Vous trouvez? Non, oui, oui. Ben, c'est sûr que je suis nouveau à l'école, là. Je t'ai pas écouté souvent, mais j'ai bien aimé ce que j'ai entendu. Merci. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça, par exemple. Ah, ben on peut pas tous avoir les mêmes goûts. Ah. Puis, comment tu trouves le devoir que je vous ai donné? Si t'aimes la musique, tu devrais aimer ça, travailler sur un texte de chanson. Mais j'ai jamais passé aussi près d'avoir hâte de faire un devoir. C'est sûr que ça reste un devoir, mais d'habitude, les élèves trouvent ça moins plate qu'un devoir régulier. Et en plus, j'ai choisi une bonne chanson. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas pire. Bon, faut que j'aime, hein. Je vais me dépêcher de manger si je veux avoir le temps d'aller chercher ma basse à la boutique. Il joue de la musique en plus? Il est cool, lui, surtout pour un prof. Bye. Bonne journée. Salut. Il est cool, le nouveau prof de France. Ouais. Ben moi, à ta place, je me méfierais. Ah ouais? Vous êtes dans les gros travaux? Ah, Antoine! Je vais installer une nouvelle prise de téléphone en bas au sous-sol. Là, je mesure combien de fils ça va me prendre. Ouh! Est-ce que je serais mieux de mettre mon casque de sécurité? Ah non, mais c'est parce que Marianne dit toujours que quand vous faites des travaux, c'est dangereux. C'est drôle, hein? À les entendre, là, je suis pas capable de clouer un clou. Mais ils sont toujours là à me demander, peux-tu me réparer ici, peux-tu me faire ça? Mais non, mais elle devait dire ça en face, là. Non, je pense pas. Non, non. Mais je vais avoir besoin d'aide pour passer les fils en fin d'après-midi. Peux-tu me donner un coup de main? Ouais, non, pas de problème. Mais je vous avertis, hein, je suis vraiment pourri en rénovation, là. Ouais, c'est à peine si je sais par quel bout prendre un marteau. Non, mais inquiète-toi pas. Je m'y connais, moi. Bon, mais je vais y aller, on se voit vers 4 heures. OK, parfait. Salut. Bon, Marianne, j'y vais, là. On s'en va. Ah, alors, on recommence. Allô? Hey, Antoine. Ça va? Ouais. Mmh. Hey, mais j'aurais pas beaucoup de temps pour toi aujourd'hui, hein. Parce qu'on enregistre notre émission, puis il faut qu'on répète avant. Mmh. Ah, bah, mais j'imagine que c'est ça, hein, être le chum d'une vedette de la télévision. Mais aujourd'hui, là, on est vraiment prêtes, là. Il nous reste juste le courrier du cœur à préparer, puis c'est la partie la plus facile. Ça te dérange pas si on se voit juste demain? Non. Non, c'est beau. De toute façon, je sors avec ma gang ce soir, puis avant, je viens donner un petit coup de main à ton père, là, pour des petits travaux. Tu vas voir qu'avec mon père, même des petits travaux, ça finit par ressembler à la B. James. Ah bon? Bon, enfin! Mais là, qu'est-ce que c'est ça? Il faut vraiment être épais, hein? Une boîte mauve avec des cœurs. Il me semble que ça ressemble pas à une poubelle, ça. Mais là, on peut pas faire notre chronique, là. On n'a même pas de lettres. Ah, mais lisez les ingrédients qu'il y a là-dessus, là. Vous pouvez faire au moins 5 minutes avec ça. Alors, acide de sodium, pyrophosphate, lécithine de soya... Arrête! On n'a pas le temps! Ben, on pourrait en inventer des lettres. Oh non, je sais, vous avez juste à parler plus lentement. Mais arrête! Tu m'énerves! Eh ouais, OK, c'est beau. J'ai rien dit. Excuse-moi, je suis stressée. Tu vas garder. Non, je sais pas qu'on a l'air fou, là, notre émission. C'est bon. Je vous laisse tranquille. Mais on se voit demain, OK? Mais quoi? C'est lui qui arrêtait pas, hein? Il a couru après. Si tu le dis. Bon, ben là, va falloir trouver autre chose pour remplacer le courrier du cœur, hein? On y va? Tout d'un coup, qu'il fait son prof cool juste pour te mettre en confiance puis te faire parler, hein? Me faire parler de quoi? Le l'eau allume le graffiti! Oh oui, c'est vrai! Mon graffiti! C'est pas de ma faute. Si la directrice avait acheté le haut-parleur qu'on avait demandé, ça sonnerait mieux, là, puis il n'y en aurait pas eu de graffiti. Sauf que là, il y en a un, puis elle veut savoir qui l'a fait. Que le son soit pourri, ça, je suis certaine qu'elle s'en fout. Ça paraît que c'est pas elle qui reçoit les lettres des autres pour se faire dire que sa musique est plate. Moi, à ta place, je me méfierais. J'ai déjà entendu une histoire comme ça. Qu'un prof s'y fait passer pour quelqu'un de cool juste pour faire parler à un étudiant qui avait fait un mauvais coup. Peut-être un autre prof, mais pas lui. Richard, il a vraiment l'air correct, il trippe sur la musique. Mais non, mais il sait que t'aimes la musique, alors il t'a parlé de musique. Si t'avais trippé sur le sport, là, je suis certaine qu'il t'aurait parlé de sport.
Tu dis ça, puis tu le connais même pas. Je sais bien, mais il est bizarre. Regarde le devoir qu'il a donné. Un prof normal, là, ça donne pas des devoirs comme ça, ça donne des devoirs plates. Ouais, il y a ça. En plus, là, s'il connaît la musique tant que ça, pourquoi il t'a demandé ton avis sur la chanson du devoir, hein? Et peut-être qu'il voulait être fin. Bon, tu fais ta Célina, puis tu trouves les profs fins, maintenant? Ben non, voyons. C'est vrai que si ça existait un prof cool... Là... J'ai déjà vu un panda dans un zoo. Mais un prof cool, c'est une espèce encore plus rare. Penses-tu qu'il connaît des tours? Penses-tu que c'est chanté? Non! Peut-être que si je lance des bananes, il va me laisser tranquille. T'as peut-être raison, là, je vais me méfier. Salut, Manolo. Est-ce que je peux te déranger 2 minutes? J'ai pas vraiment le temps. Il faut que je trouve ma prochaine chanson. Mais je te dérangerai pas longtemps. Je me demandais seulement si vous aviez des problèmes avec l'équipement de la radio. Pourquoi vous demandez ça? J'ai vu un graffiti à propos de la radio. Pas trop subtil, l'enquêteur? Je sais pas qui a fait ça, hein. L'équipement est vieux, là, c'est certain, mais ça sonne encore super bien, hein. C'était fait solide dans ce temps-là. Oui, il n'y a jamais personne qui s'est plaint. Ben, j'ai des vieux haut-parleurs qui servent plus. Ils sont encore en bon état. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Ah ouais, vous les donneriez? Ah ouais. Si jamais tu les veux, tu me fais signe assez vite, OK? OK. Bye. Bonne journée. Mais c'est pas une bonne idée, là, de remplacer le courrier du cœur par une chronique de film. Le film dure 2 heures. On n'aura jamais le temps de le regarder. Mais au pire, on se servira de ce qui est écrit sur la boîte pour raconter l'histoire, pour faire notre critique. Ah, regarde, c'est écrit « Tout thumbs up ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, « Tout thumbs up », c'est 2 pouces. OK, mais nous, on fonctionne en étoiles, pas en pouces, là. Ça vaut combien d'étoiles, ça, 2 pouces? Mais je sais pas, moi, 2 pouces, ça doit être 2 étoiles. Mais ils disent même pas c'est 2 pouces sur combien. Mais on a 2 pouces, donc ça doit être sur 2. Mais de toute façon, là, tu peux mettre ça de côté, la chronique de film? Parce que ça se pourrait que ça soit pas nécessaire. Ah, comment ça? Ah, ah, on va peut-être pouvoir faire notre courrier du cœur, finalement. On a reçu des lettres cet après-midi. Oh oui! Hey, j'espère que c'est pas des cochonneries, cette fois-là. Ouais. Ah, c'est vraiment des lettres! Hey, regarde celle-là, toi. OK. Bon, la combinaison de mon cadenas est le 11-21-13. D'après la numérologie, ça voudrait dire que mon chum est en amour avec une autre fille. Devrais-je casser ou changer de cadenas? Il y a vraiment du monde qui a du temps à perdre. Ouais, mais celle-là est bonne, par exemple. Ça nous en fait une. Okay. C'est une fille qui est en amour avec 2 gars, des jumeaux, puis elle sait pas lequel choisir. Ah, celle-là aussi est pas pire. C'est une fille qui trouve que son chum passe pas assez de temps avec elle. Puis en plus, il est pas fin avec. C'est bon? Hey, c'est drôle, hein? Ça ressemble à ce qui s'est passé entre toi puis Antoine ce midi. Comment ça? Mon don pour voir. La seule différence, là, c'est que dans la lettre, c'est le gars qui a été bête avec sa blonde. J'ai pas été bête. Mais t'as pas été fine non plus. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Cher cœur brisé, si ton chum est pas fin... Penses-tu que ce sera Antoine qui l'a écrite? Mais non, là, c'est écrit par une fille. Oui, mais peut-être qu'il veut me passer un message, me montrer comment je me sentirai à sa place. Mais non, tu t'inquiètes pour rien, là. Mais regarde, là, ça ressemble vraiment à son écriture. Oui, mais Marianne, là, Antoine, c'est pas le seul au monde à avoir une écriture en pâte de mouche. Oui, mais ça commence à faire pas mal de coïncidences. Je vais te l'appeler, je peux le savoir si c'est lui. Bon, ben, fais donc ça. OK. Cher cœur brisé. Tu devrais essayer de parler avec ton chum pour lui dire que... Oh! C'est occupé! Et là, tu rappelleras dans 5 minutes, là. En attendant, viens m'aider. Aide-moi, là. Cher cœur brisé. Mais j'ai bien envie de laisser faire la récup puis de les prendre tout de suite, ces haut-parleurs. C'est toi qui le sais. Sauf que c'est peut-être même pas vrai qu'il y a des haut-parleurs à donner. Puis s'il les donne à quelqu'un d'autre, je vais le regretter longtemps. Ben oui, mais si tu te fais prendre pour le graffiti, tu vas le regretter longtemps aussi. Ah, je sais bien.
Mais j'avais posé une couple de questions. On va bien voir s'il est cool pour vrai ou s'il fait ça pour me pincer. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. C'est pas grave. Si jamais j'arrive en retard à un cours, on se requitte. Bon, vous avez des questions au sujet du devoir? Ouais. C'est parce que vous demandez de trouver un anglicisme dans le texte de la chanson. Mais moi, j'en vois plusieurs. Est-ce que c'est normal? Oui. Il y en a plus qu'un, mais moi, je vous en demande seulement un. Ah, OK. En passant, cette chanson-là, il me semble qu'il y a un autre groupe qui l'a déjà chanté aussi. Il s'appelait... Les Forgerons de l'Enfer. Il se débrouille assez bien pour un gars qui fait semblant de connaître ça. Oui, c'est ça, vous les connaissez? Ben oui, je les ai déjà vus en spectacle. Le batteur avait lancé ses baguettes dans la salle, puis j'en avais reçu une par la tête. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? J'ai pas d'autres questions, merci. OK, ben ça me fait plaisir. Merci. Bon, c'est à ton tour. J'avais les mêmes questions que Manolo, finalement. On va y aller? Ouais, bonne idée. Mais vous avez l'air pressé tout à coup. Il faut que je répète une chanson à guitare. Ah, tu joues la guitare en plus? Hey, t'es tout un artiste. J'ai su que t'étais habile du crayon aussi. Pourquoi il dit ça? Pas tant que ça, pourquoi? Non, mais j'ai appris que tu faisais de la BD. J'ai hâte de lire ça. Bon, ben, je vais y aller si vous avez pas d'autres questions. Super, salut. Merci. Bonne journée. Merci. Qu'est-ce qui t'a pris de fouiller dans son sac? J'ai pas fouillé. Il était ouvert, puis j'ai regardé pour voir si je trouvais pas quelque chose qui prouve qu'il fait semblant d'être cool. Quelque chose comme... Je sais pas, moi, une cassette de musique country, un magazine plate de vieux. Des cocons dans Fantex, un coup parti? On sait jamais. Viens-t'en, on reste pas ici. Je suis assez stressé de même. As-tu vu faire le pro, toi? As-tu vu faire le pro? Wow! Vous êtes le Mario Lemieux de la perceuse. Les filles, vous avez pas dit qu'ils étaient supposés d'être jaune, vert, rouge et blanc? Hein? Il y en a un noir et un bleu, là. Ah, ben oui. Pourtant, le gars de la quinquerie m'avait bien dit que... c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Ça va juste mettre un peu plus de piquant, sinon ça aurait été bien trop facile. Ouais, vous avez raison. Hein? Ouais. Salut. Ah, salut. Salut. Ah, je sais, j'ai laissé un fil en bas. On va aller le voir. C'est peut-être juste moi qui me suis mêlé dans les couleurs. Ah, OK. Ah. Je suis sûr que Richard se doute de quelque chose maintenant qu'il t'a surprise à fouiller dans son sac. J'ai pas fouillé. Puis de toute façon, il m'a même pas vu. Je suis certain qu'il t'a vu. Il a hâte de voir mes BD. En plus, pourquoi tu penses? Pour comparer ton écriture avec celle du graffiti. Ben oui, c'est sûr. Là, demain, c'est décidé, j'efface mon graffiti. Peut-être qu'il va me laisser tranquille après ça. J'espère qu'il n'est pas déjà trop tard. Quand il est parti tantôt, il s'est en allé vers le bureau de la directrice. Il va peut-être appeler ici ce soir. C'est ça qui est le fun avec toi, Chloé, hein? J'ai pas besoin d'écouter le film d'horreur, t'as le don de me stresser. Écoute, on va essayer, on va voir ce que ça donne, OK? Non, ça marche pas. Qu'est-ce que vous faites, là? Non, du calme, là. On installe une nouvelle prise téléphonique. Ça se pourrait que le téléphone ne fonctionne pas trop bien pendant un petit bout de temps. Enfin, une bonne nouvelle. Monsieur Espérance, c'est Richard, le professeur de Manolo. Quoi, la sœur de Manolo? J'entends mal, là. Le professeur de Manolo. Non, il y a du ragoût dans le fond de ma boîte de conserve, c'est pour ça que j'entends mal. Parlez plus fort. Manolo a fait un graffiti. Manolo fait du spaghetti, ben tant mieux pour lui, je suis bien content. Plus de téléphone, c'est Marianne qui va être malheureuse. Pour un petit bout, ça veut dire quoi, ça? Un mois? Deux mois? Non, on a la situation bien en main. Ouais. Sauf que les mains sont pleines de pouces. Oui, allô? Il est là, je te le passe. C'est Marianne. Ah! Merci. Allô, Marianne. Comment? C'est moi qui t'ai envoyé la lettre pour le courrier du cœur. Non, pourquoi tu me demandes ça? Ah, tu penses? Ben oui, c'est moi. Allô? Allô, Marianne? Ça a coupé. Hein? Mais pourtant, moi, j'ai rien touché, là. En tout cas, presque rien. Je le savais. Antoine? Antoine? J'avais raison.
C'est lui qui a écrit la lettre. En plus, il m'a raccroché au nez. Il est plus susceptible que je pensais. Qu'est-ce que je fais? Là, tu pourrais le laisser bouder un peu, là, disons, le temps qu'on enregistre notre émission. Ouais, t'as raison, je réglerai ça après. Bon, parfait. T'es prête? 3, 2, 1, on tourne. Alors, on a reçu une première lettre de cœur brisé qui nous dit... Une première lettre qui dit... Ah, quoi? C'est toi qui es supposée la lire, la lettre. Ouais, c'est vrai. Penses-tu que je devrais aller lui parler? Qui ça, cœur brisé? Mais non, mon chum, là, penses-tu que je devrais aller m'excuser? Là, au cas où t'aurais pas compris le principe, là, on fait un courrier du cœur pis t'es supposé répondre aux questions, pas en poser. Mais oui, je le sais, là, mais je suis pas capable de me concentrer. Mais fais un effort, là. Dis-toi que plus vite tu vas avoir fini, plus vite tu vas pouvoir aller le voir. Non, c'est vrai, vas-y, recommence. Bon. Alors, c'est maintenant le temps de notre courrier du cœur. Et on a reçu une première lettre qui dit... Mais est-ce que ça te dérangerait vraiment? OK, vas-y, appelle-le. Et ça sera pas long. Ah, il s'est encore occupé! Mais tu rappelleras plus tard. Allez. Alors, on a reçu une première lettre qui dit... Là, parce qu'il y a deux fils... Dans... Salut, Chloé, à demain! Ouais, hey, plan. Non, là, il y a même trop de fils, hein? Ouais. Le jaune avec le jaune, ça va. Le vert avec le vert. Le reste, le rouge et le blanc. Mais à moins qu'on connecte le blanc avec le mauve. Ouais, mais il n'y a pas de mauve. Ah, bien, une faible possibilité d'éliminer. Ouais. Ah, je sais! Je vais aller voir la prise en haut. Je vais regarder comment c'est connecté. Ah, c'est une bonne idée, ça. Vous me le crierez. Oui, oui, oui. Hein, moi, il faut que je parle à Alexis. Est-ce que j'attends que ça soit réparé ou... J'ai envoyé une carte postale. Hmm. Inquiète-toi pas, on va réussir. Ça, j'en doute pas. Mais ça serait quand même plate que tu manques ton année scolaire pour ça. En plus, vous êtes vraiment mal pris parce que vous pouvez même pas appeler le réparateur pour qu'il vienne vous aider. Manolo, t'as pas autre chose à faire? Non. À toi, Anne! C'est le blanc avec le blanc! Qu'est-ce qu'il a dit? Bouge pas, je vais te le dire. Répète, on n'a pas compris! Le blanc avec le blanc. Il a dit le blanc avec le bleu. Si je veux pas que la directrice appelle, il faut que je m'en mêle. Je veux dire, les mêler. Après! Le bleu avec le bleu. Le bleu avec le noir. Il a pas dit avec le bleu. Il peut pas avoir dit avec le bleu, tu l'as déjà connecté avec le blanc. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner. Ben, c'est ce qu'on va voir, hein. Merci. Oups, voilà. Manolo, tu me passerais-tu le petit tournevis? Non, l'autre. Il y en a un. C'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Oui, t'es sûr? Non, mais... Hey! Ouais, mais j'pense... Ça fonctionne! Nice, lui! Excuse-moi de t'avoir laissé finir toute seule hier, mais j'avais vraiment pas la tête à ça. Excuse-toi pas pour ça, là. Regarde, c'est allé beaucoup plus vite quand t'étais pas là. Bon, es-tu prête à voir ce que j'ai fait? Mm-hmm. Oh, allô! Oh, toi, enfin! Oh! Wow! Wow, mon Dieu, est-ce que j'ai dormi pendant une semaine sans m'en rendre compte ou tu t'es ennuyé de moi? Excuse-moi pour hier, là. C'est mon émission qui me stressait. Est-ce que tu m'en veux encore? De quoi tu parles? Ben, j'ai été super bête avec toi hier midi. Ah, ça, ben non, voyons, je suis pas fâchée. Pourquoi t'as écrit la lettre d'abord? Ben, pour t'aider. Oh, tu stressais parce que t'avais pas reçu de lettre, fait que je t'en ai écrit une. Bon, je sais, c'est un peu niaiseux, là, l'histoire de la numérologie, mais... C'est toi qui as écrit cette lettre-là? Oui, ben j'étais pressée, et j'ai pas eu beaucoup de temps pour l'écrire. Puis l'autre lettre, cœur brisé, c'est pas toi? Non, non, moi, c'était charmant jeune homme. Comme ça, ben, tu m'en voulais pas. Mais non... Si je t'en avais voulu, j'aurais pas pris la peine d'écrire une fausse lettre pour t'aider. Ouais. Excusez, est-ce que vous avez vu Manolo? Non. 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 Si vous le voyez, dites-lui que je le cherche. Excuse-moi, là, j'ai vraiment paniqué pour rien. Non, pas pour rien! Alors, c'est maintenant l'heure du courrier du cœur. Au lieu de vous lire une lettre, on a décidé de faire une petite simulation. Alors, place au théâtre! Oh, je m'en veux, là.
Et c'est pas la première fois que je me fâche pour rien contre mon chum. Pourquoi je fais ça? Peut-être parce que t'as un caractère de cochon? Ou peut-être que c'est parce que tu l'aimes pas aussi. Mais non, 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 je l'aime. Le pire, là, c'est que si je continue, il va peut-être finir par me laisser. Ben, si tu l'aimes, le mieux, c'est de t'excuser. Ouais, peut-être. Hey, c'est un peu de sa faute aussi, hein. Tu sais, des fois, j'aimerais ça qu'il comprenne que j'ai pas envie de rire. Si je m'excuse, il va recommencer. Mais explique-lui que t'aimes pas ça, il va comprendre. Je m'en fais peut-être pour rien, je devrais oublier ça. Je fais pas semblant que ça te dérange pas, là. T'as pensé à ça toute la journée. Ah! Oui, t'as raison. Ouais. Ouais, ça sert à rien, laisser traîner ça, je vais lui parler. C'est bon, hein? Ouais, ouais, non, c'est original. Hey, vous étiez naturelle, vous êtes bonne comédienne, les filles. Ah, ça, c'est parce qu'on a répété beaucoup. Hein, Marianne? Ah oui, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi vous riez? On se comprend. Ah, bon. Oh, Manolo! Ton prof de français te cherche. Oh non, regarde bien ça si je me fais pas prendre parce que quelqu'un m'a vu effacer le graffiti. Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas trop, là. Vous m'avez pas vu, OK? Ouais, de qui tu te sauves comme ça? Je me sauve pas, je suis pressé, là, je dois aller faire des affaires. J'ai parlé à la directrice, j'aimerais ça te voir 2 minutes. Ça y est, je suis faite. Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous m'amenez pas voir la directrice? Elle est déjà au courant. Elle m'a donné son accord. Son accord pour me faire faire quoi? Des travaux forcés? Elle a donné son accord pour quoi? Pour te faire travailler. On va se voir après les cours aujourd'hui. Tu vas m'aider? On va installer les nouveaux haut-parleurs dans la place centrale. Hein? Quel haut-parleur? C'est ça. Regarde les miens. Hey, wow! Ils sont cool! Pas mal mieux que ce que vous avez, hein? Je suis contre les graffitis, mais je dois avouer que c'est vrai qu'ils sonnent caca, de vos haut-parleurs. T'es pas difficile. Ah, je sais, je dois être habitué puis je m'en rends plus compte. Mais quand j'ai vu ça, j'ai décidé de vous donner les miens. Avec ça, tu vas être équipé. Hey, merci, hein, c'est trop cool. On pourrait peut-être les installer ce midi, si vous avez le temps. Ça va me faire plaisir.